Et salut tout le monde, c'est Jordan, bienvenue à toutes et à tous pour ce 74e épisode de Disney Dreamlight Valley. Et on va commencer tout de suite par un petit changement de garde-robe là, parce que non, ça se voit absolument pas que j'ai tourné tous ces épisodes les uns après les autres. Absolument pas. Allez, tac, la petite casquette, non... En vrai, ouais, là on est dans la thématique. Bienvenue pour ce nouvel épisode. On va aujourd'hui nous concentrer sur pas mal de choses. Déjà, on va avancer notre quête, la quête d'Anna. On va avancer si possible sur Buzz, parce que de toute façon, il va falloir qu'on aille voir Buzz pour pouvoir, récupérer... lui donner des trucs et tout, donc on va forcément devoir avancer avec lui. On va essayer de continuer à augmenter encore un petit peu nos personnages, même si je vous avouerai que là-dessus, ça va nous demander un peu de préparation cuisine, notamment, parce qu'il y a pas mal, vous voyez, hein, de choses liées à la cuisine. On va d'abord, tout de suite, hop. Il me faut un lys blanc. Et un lys bleu. Ça devrait pas être très très difficile à trouver. Je laisse les petites racines pousser parce que ça m'en fait plus. On sait jamais. On sait jamais. Tac. 28 sur 40, on est encore loin du compte hein, quand même. Hein. Je disais ça, mais peut-être qu'en fait, je vais devoir changer mes plans. Hein. Tac. Ouais, il y a peut-être moyen. Oh, un coffre. Trop bien. Après, il me manque une boule de neige. Franchement... Ça pourrait être quand même vachement bien que j'arrive à au moins terminer ça. Oh, des pièces bleues. Parfait. Et blanc. Ouais, nickel. Alors, on va creuser par ici. Hop, allez. S'il vous plaît. Ouais, bingo. Graines. Très bien. Bien. Maintenant qu'on a fait ça, on va aller fabriquer du tissu. Ah, il faut que je vous montre aussi. Donc j'ai fait pas mal de... de farm, ouais, on va dire ça comme ça. J'ai fait du farm pendant la journée d'hier. Et donc, j'ai avancé un certain nombre de choses, notamment sur nos petites citrouilles. Ce qui fait que j'ai un pactole. J'ai une très jolie somme d'argent qu'on va pouvoir utiliser. Tissu. Mais d'abord, hop. Parler à Anna. Ouais, nickel. Je voudrais un bonhomme de neige pour pouvoir aller dans la neige. Et je sais, je répète un peu trop souvent le mot neige. Gougère à la courgette, tilapia et légumes poêlés, carpe. Plateau d'huîtres, salade méditerranéenne, carpe, très bien. Est-ce que j'ai un autre poisson à donner à quelqu'un? Améthyste, diamant brillant. Carpe, améthyste, diamant brillant. Hop, on va aller chercher ça, hein, autant... carpe.
Donc, améthyste. Et diamant brillant. Ben ouais, voilà, c'est mon dernier diamant brillant. Va falloir que j'aille fermer du diamant la prochaine fois. Tac. Bien, maintenant qu'on a fait ça, réfléchissons. Oh, une pile de citrouilles! Wow! J'ai farmé aussi des pierres, hein, c'est pour ça que j'ai aussi cette jolie somme-là. Trop bien, pile de citrouilles, ça c'est l'éclate. On va donc aller voir Anna. Ah, au fait, les événements, où est-ce qu'on en est? Où est-ce qu'on en est? Je regarde juste ça et après on va voir Anna. 60, 70. Donc là, littéralement, on pourrait terminer ça là. Il ne resterait pas grand-chose à débloquer. Oui, Buzz. Anna. Bonjour, il faut que je te parle. Oui. Salut. C'est tout ce dont nous avons besoin pour faire la famille de neige. Je pense que la prochaine étape nécessite une station d'artisanat. Je te laisse t'occuper de ça. Où dois-je les mettre? Je pense à la forêt du courage, peut-être près de la grotte de glace, à moins que tu aies une autre idée. Une fois que tu auras installé la famille de neige, j'irai chercher Christophe et Elsa afin que tu puisses prendre une photographie de nous tous. On se reparle bientôt, d'accord? Ok, très bien. On va fabriquer la famille de neige. On va la fabriquer ici. Voilà. Et on va placer ça donc dans la forêt du courage. Bon, sinon, j'espère que vous allez bien en cette fin août quasiment. Parce qu'au moment où je tourne cet épisode et au moment où je vais la programmer, on sera mi-fin août. Mais pousse-toi, Simba. Simba le roi, Simba, je prends toute la place. Hop! Alors, Elsa bug toujours. Hein. Je cherchais pas, je n'ai pas bien compris pourquoi elle buguait. Alors, ouais. Très bien. Ouais, pour une fois que je réussis une photo pas dégueu. C'était incroyable! Nous avons permis à Elsa de se remémorer ses souvenirs d'enfance préférés. Et on s'est fait de nouveau. Merci infiniment, Nathanaël. J'ai l'impression que nous allons vivre beaucoup d'autres aventures ensemble. J'en meurs d'impatience. Je suis si heureux que tu sois ici à Dreamlight Valley, Anna. Moi ici, tu en as fait un endroit si spécial. Tiens, je tiens à te donner ça, juste pour montrer à quel point tu comptes pour moi. Ok, robe banquet de l'automne. Très bien. Bon. Alors, ensuite. Ensuite. Débloquer en progressant, débloquer en progressant. Putain, il y a encore des trucs à progresser. Mais au secours. Au secours, vous avez vu déjà tout ce que j'ai? C'est scandaleux. Très bien, très bien. Au niveau des quêtes, on en est où? Alors, est-ce que ça serait pas l'occasion d'aller faire la quête de Mini? Ouais. Mais d'abord, on va aller voir Buzz.
et Woody. Et il est où Woody? Enfin, il est où Buzz, l'éclair? Buzz de l'éclair. Ah, il est là. Parfait. Allons le voir. Bonjour, Buzz dans l'eau. Tiens, des cadeaux. Alors, bromélia rouge. Alors, ensuite, diamant brillant. Et enfin, impatience blanche. Tu as toute mon estime. Parfait. Ensuite. Nala, Scar et Simba, je vais avoir des trucs à cuisiner. 1, 2, salade méditerranéenne. 2, 3, 4, 5, 6. Là, ils sont gourmands, hein. Ils bouffent. Il faut mieux les voir se balader qu'à table. Hein. Eh ben, on va aller voir Woody, tiens. Woody. Où est-ce qu'il est? Il arrive. Parfait. Woody. Je suis content de te voir. Quelque chose te tracasse? Nathanael, je veux juste que tu saches que tu fais un excellent travail en dirigeant les gens de cette vallée. On sent que tu te soucies de nous. Ça se voit vraiment. Merci, Woody. Je dis juste ce que tout le monde pense, partenaire. Merci. Je suis content de te voir. Alors, un petit cadeau. Asclépiade. C'est orange et rouge. Oh, tant pis. Oui. Pa 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 pam. Oh. Hey, salut. Hey, Nathanael, je me demandais ce qui était arrivé aux autres jouets extraterrestres. As-tu un peu de temps pour en discuter? Dis-moi tout. J'ai essayé de les retrouver, puis j'ai repensé à un truc. Ces petits bonhommes ont toujours vécu à l'intérieur de la machine à grappins parce qu'ils n'ont jamais été capables d'arrêter de se comporter comme des jouets avec toi et les autres villageois. Mais maintenant, la machine à grappins est cassée et c'est ma faute si elles n'ont plus de maison. Je comprends, on fait quoi maintenant? On va devoir fabriquer une nouvelle machine à grappins pour qu'elles aient un endroit à vivre. Tiens, prends ces pièces de la machine à grappins que tu avais trouvées. Oh, et le grappin, on dirait que ce truc est indestructible. Et il va nous falloir d'autres trucs. J'ai parlé avec Christophe, et il dit qu'il faut du bois dur, un lingot de fer et du verre. C'est génial! Tiens, salut toi! Alors, on va quand même lui donner la capucine rouge. Ah, crotte de bique. À bientôt, partenaire. Merci, à bientôt. Alors, du coup, c'est embêtant ça. C'est embêtant ça. Cueillette. Asclépiade jaune, orange et rouge. Ouais, c'est ça. Bayou de la confiance. J'ai dû me gourer. Après, très honnêtement, on fait pas trop la différence entre les deux. Alors, ça doit être celui-là. Ouais, bingo. Donc, on va aller donner ça à notre cher Woody. Oh, un coffre! Mais c'est gratos! 50 pièces en plus.
Hop. Ok. Qu'est-ce que... Ah oui, il était assis sur le banc, je l'avais pas vu. Salut, partenaire. Hop là. Et voilà. Youpi. Tac. Bon. Bon, on se revoit vite. Lingot de fer et 12 verres. Oh la vache. On va s'occuper de ça. Donc. Ensuite. Ouais, il me manque encore du tissu, purée. Fabrique la nouvelle machine à grappin. Parfait. Retourne Woody, retrouve Woody à l'intérieur du manège. Parfait. Parfait, parfait. Très bien. Je regarde vite fait hein, l'événement. Ah, c'est Wally. Wally, où il faut qu'on lui donne encore un truc. Je regarde vite fait. Très bien. Bien joué, Nathanaël. C'est top. Encore mieux que la machine à grappin qui a été cassée. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à trouver le reste des jouets extraterrestres. Si seulement je savais par où commencer. Allons demander à Buzz. Il n'y a pas beaucoup d'autres jouets dans le coin. Tu as raison. S'il y a bien une personne que ces jouets extraterrestres veulent voir, c'est bien Buzz. Allons le voir. C'est génial! Ah, j'aime bien le remake de... Je suis ton ami. Ah, Nathanaël, exactement la personne que je cherchais. Il y a quelque chose dont nous devons discuter. Lors de ma dernière patrouille, j'ai entendu une explosion, puis un extraterrestre est tombé du ciel. Je sais, nous avons des extraterrestres dispersés tout autour du village. Tu en as vu d'autres ? En fait, je l'ai fait. J'ai localisé certains des jouets extraterrestres dans la vallée. Tu sais où ils sont ? Pourquoi ne pas les avoir récupérés alors ? Eh bien, deux d'entre eux sont enterrés dans le sol. L'un sur la plage enchantée et l'autre dans le bayou de la confiance. J'ai beaucoup d'atouts, mais je n'ai pas de pelle magique pour m'aider. Et il y en a un coincé dans un bloc de glace près d'une chute d'eau. Peut-être que si tu avais quelque chose pour le casser... on dirait que je vais avoir besoin de mes outils pour y arriver. Autre chose ? J'ai entendu un couinement venant de la grotte de Scar, mais je ne pense pas qu'il apprécierait que je fasse irruption. J'étais en train d'organiser une mission de sauvetage, mais si tu es sur le coup, je laisse ça entre tes mains. Près d'une chute d'eau, pris dans la glace, près d'une chute d'eau. Ah, regardez-moi ça. Et deux, un. Tintin.
Qu'est-ce qu'on... Ouais, on s'occupe de tout ça maintenant. Très bien. La grotte de notre cher ami Scar. Mais du coup, Scar, ça serait peut-être intelligent qu'on le fasse après lui avoir cuisiné ses trucs, comme ça on le voit une seule fois pour tout ce qu'on a à lui donner. Tilapia et légumes poêlés, carpe, baudroie, la baudroie gelée, c'est le tilapia. Je crois que j'ai pas appris à le faire. On va revérifier. On va revérifier. Ah si, 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 si. Tu aurais vu mon ami Donald? Non, je ne l'ai pas vu et je m'en fiche. En fait, très honnêtement, là pour l'instant, c'est pas trop ma priorité, mon cher Dingo. Et voilà. Regardez-moi ça. Ça nous fait déjà 10 points. J'ai pas discuté avec Buzz. Comment ça? J'ai pas discuté avec Buzz l'éclair. Très chelou ça. À moins que je l'ai déjà fait, mais c'était peut-être pas très utile. Attendez, je regarde un peu. Tac. Hop. Il est caché derrière le buisson. Ah non, j'avais déjà discuté avec lui. Simba. Alors c'est Simba avec qui je vais pouvoir discuter. Et Wally, je vais pouvoir lui donner donc une fleur. Et puis on sera bon. C'est juste qu'on va devoir réactiver une quête encore une fois. Et ça m'embête un peu. Tac. Je crois que je dois être à plus d'une centaine d'heures sur ce jeu. Hein. Très honnêtement. Youpi! Très bien. Et donc, notre cher ami du roi Lion. Bien, 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 bien. Salut. Hé, Nathanaël, j'ai une idée qui pourrait contribuer à tout ce qui va mal dans la vallée. Tu as le temps de discuter? Je suis tout ouïe. D'accord, j'ai cette théorie à propos de l'oubli et des épines nocturnes. J'ai remarqué que beaucoup de gens venaient te voir avec toutes sortes de problèmes. Tout le monde ici semble être très inquiet. Peut-être que cela aiderait s'ils pouvaient oublier leurs soucis, se détendre, changer de point de vue. Tu vois ce que je veux dire? Mes amis Timon et Pumba ont une théorie, toute une théorie concernant le fait de ne pas s'en faire. Hakuna Matata. Je ne m'inquiète pas que pour les choses importantes. Ah oui, bien sûr, tu es le monarque de ces terres et tu as beaucoup de responsabilités. Mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas te détendre. J'ai remarqué que tu semblais porter toutes ces couches sur tout le temps, parce que tu n'as pas de fourrure. Mais elles n'ont pas l'air très confortables. Peut-être que tu pourrais en trouver qui le sont. Bonne idée. Je pourrais créer la tenue la plus confortable et décontractée tous les temps. Ce serait un défi amusant. J'ai hâte de voir le résultat. Hakuna Matata. Mais quelle phrase magnifique. Très bien. Et donc, j'ai encore un truc à faire avec toi. Hey, salut. Quelque chose te tracasse? Nala est incroyable, elle est intelligente et vraiment forte. Cela me ravit qu'elle fasse partie du village.
Moi aussi, c'est super de l'avoir dans le coin. À bientôt. Ok, c'était aussi simple que ça. Très bien. Oh là 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 là, mes chers amis. C'est nos trois dernières missions. Pêche du poisson de Lissy est là, mais j'ai pas le poisson. Comment on fait pour avoir du poisson de Lissy est là? Il y a un truc que je n'ai pas. Il y a un truc que je n'ai pas et je ne sais pas comment le débloquer. Très bien, c'est sympa. Bon, du coup. Oh! Mmh. Oh yeah! Oh là 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 là, le pilier goûte! Parce que ça fuit! Parce que nous, on respecte pas l'environnement! Ah là là, je vous jure. Allez. Alors, le poisson de Lissy est là. Peut-être qu'en effet, il faut qu'on avance un peu plus dans le scénar. J'en sais rien. J'espère qu'on aura le temps de le faire avant la fin de l'événement. Parce que ça serait quand même très dégueu de pas en avoir le temps, justement. Non. Dans la grotte de Sky. Ah, c'est dans la grotte de Ska. Ok. Très bien. Dans le sol et dans le sable. On est bon. Ah non! Pour vous dire, hein, vraiment, je commençais cette session là. Oh! Purée! Ah, il était clairement pas évident celui-là. Hein. Très bien. Et enfin, dans le sable. Et on sera pas mal pour cet épisode. On aura bien avancé. Je vais tâcher de me renseigner sur cette histoire de Lissy et là, le poisson de Lissy et là. Parce que là, je vous avouerai que dans ma tête, je suis un peu paumé. Très bien. Alors, on va aller quand même sur l'île. Non. Ah, je vois sa tête. Je vois sa tête. Parfait. Bingo. On va donner tous les jouets à Woody. Woody Woodpecker. Et puis, on sera pas mal. Bien. Tiens. Et on les a tous trouvés. Bien joué. Bien que je me souvienne pas exactement combien ils étaient. J'espère qu'il n'y en a pas d'autres perdus dans la vallée. Bref, je vais les ramener chez eux. Grâce à toi, ils ont une maison toute neuve. J'apprécie ton aide, Nathanaël. Maintenant, la seule chose qui reste à faire... c'est de trouver comment allumer les lumières du manège. Je vais continuer à travailler là-dessus. Wouhou!
Eh ben écoutez, petit bonhomme vert. Oh, c'est quoi ça? Fais ton rapport à Buzz. Très bien. Eh ben écoutez, on va s'arrêter là pour ce nouvel épisode de Disney Dreamlight Valley. Je vous remercie toutes et tous de l'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire comme d'habitude. Ça fait toujours très très plaisir. Nous, on se retrouve très vite pour la suite de nos aventures. On aura encore plein de choses à faire. Et d'ici là, je vais me renseigner sur le fameux poisson d'ici et là. Peut-être qu'il va falloir qu'on avance sur d'autres quêtes en attendant. Je vous remercie et je vous dis à très vite.